Salut, salut les amis qui j'en ai, très bien. Nous allons débuter avec au Linux que nous avons bien pour nous voir ensemble. Non? C'est un petit cours qui est assez intéressant, qui est assez simple. Dans un petit court délai, on n'a pas pris un pile bagaille. Qui ça? Linux y est. Linux, c'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes qui permettent d'interagir avec mon ordinateur, par exemple, qui permettent d'utiliser clavier, qui permettent comme si utiliser écran. Ce système d'exploitation n'a pas qu'à manipuler composants ordinateur. Je ne t'ai supposé utiliser. OK? Alors, nous avons plusieurs types de systèmes d'exploitation. Nous avons Windows, qui est plus populaire que la majorité des gens connaît. Nous avons Mac OS, qui est sous machine Mac. Nous connaissons quelques-uns de nous quand même, qui connaissent une machine Mac. On entendait parler d'une machine Mac. Okay? Et puis, nous avons Linux, ça c'est le logo Linux, hein? Troisième logo. Ça, c'est le logo Linux. Et puis, nous avons le petit système d'exploitation pour téléphone, ok. Autrefois, on était connu le système embarqué. On était connu jeune sorti Nokia sur Motorola, etc. Et ben, qu'on y a là, c'est de très bons systèmes intelligents, oui, très bons systèmes d'exploitation pour téléphone. iOS là, qui sur iPhone, qui Android là, qui sur l'autre téléphone concours en Samsung. Ok, et puis il y a plusieurs autres encore. Bon, qui ça Linux là? Linux là, c'est une sorte de système d'exploitation de type Unix. C'est-à-dire, Unix, c'était un premier système d'exploitation qui existait autrefois. Alors, Linux là, lui-même, il est hérité de plusieurs utilisateurs, de plusieurs utilitaires, tant que Z. Et puis, celle-là, lui-même, c'est une sorte de petit outil qui permet de manipuler fichiers. Fichiers, comme si automatiquement, fichiers texte, ou manipuler rapidement, sans pour autant ou pas rentrer là-dedans. Ok? C'est très intéressant. Là, on voit ça fait devant. Et puis, GREPA, c'est lui-même, en quelque sorte, qui gère. Bon, là, on voit ça fait devant. Ça, ce sont des outils, pas même beaucoup besoin de bouiller tête, non. Qu'on y a. Ok? Et puis, ils ont utilisé également des techniques. Même genre, Unix, il utilise Telnet. C'est même technique ça, Linux, choisi pour utiliser Telnet tout. Ni pour FTP, ni pour SSH, et ni pour ping. Ok? Voilà. Linux, c'est en quelque sorte un système d'exploitation multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs utilisateurs qui a utilisé en même temps. Ok? Que Windows par contre ça. Mais Linux lui-même, les multi-utilisateurs, les multitâches. Multitâches, ça c'est-à-dire, il y a plusieurs processus, il y a plusieurs barrières à faire en même temps. Windows lui-même, les multitâches tout. Mais Linux lui-même, les multi-utilisateurs, c'est-à-dire un admin qui a connecté, pendant un administrateur qui a connecté, qui a un compte manager. Qui crée, mon manager connecté en même temps sur lui, et tous les deux travaillent sur la même machine ça en même temps. Ça, Linux a une bonne possibilité pour nous faire ça. Ok? Ok, Linux, hein? Si on logiciel, c'est un système d'exploitation qui est libre, libre, c'est-à-dire que il est gratuit, et puis ou qu'après, même système d'exploitation ça, ou modifier. Ok, ou modifier et puis ou faire vin jongler ou mettre le programme pour là-dedans ou mettre gens pour les manipuler en matériel dans style PAO, c'est-à-dire les vraiment libre. Les pas même chez Windows qui ont un système fermé côté comme ça pas accès à code source là Mac OS là comme ça tout
ou pas gagner sa code sociaux. C'est juste créer un système, yo juste baoul et puis limiter, yo dit ou pas qu'à faire ceci, pas qu'à faire cela la donne. Alors que ça qui fait popularité Linux, ça qui fait Linux actuellement là, c'est un système qui est plus puissant, qui est plus robuste, c'est parce que en pile ingénieurs à travers le monde qui a essayé mettre touche par la donne, qui a cherché faille la donne, qui a fait le vin plus sécuritaire, tout le monde a gagné accès à la donne. Yo modifier les gens ouvrés et puis yo partager les gens ouvrés avec l'autre monde. C'est-à-dire son système qui est assez intéressant. Un système qui est assez très intéressant. Ok? Un créateur Linux. Créateur Linux, c'est un jeune homme qui est Linus Torvald. Ok, monsieur créé Linux en 1991. Ce que j'aime, monsieur créé Linux, c'est juste digital, juste à la Kali. Et puis, monsieur, juste commencer, travailler sur un système. Et puis, monsieur, juste mettre en ligne, monsieur, dit tout le monde. Ça, c'est un petit système que m'a commencé à créer, un système d'exploration qui n'est pas si puissant. C'est juste que m'a créé, m'a fait une idée. M'a fait une bonne idée. Et puis, c'est comme ça, communauté Huawei. Concept là tellement intéressant, créer un système libre, un système qui est simple, comme ça, côté tout le monde qui a interagi avec, tout le monde qui a baillé des tout le monde comme c'est qu'à programmer la soleil, etc., etc. Et puis, il est très populaire, même côté, ok? Il utilise des licences GPL, et ça, GPL là, c'est licence qui veut dire que c'est un système qui est libre, que vous pouvez partager, que vous pouvez modifier, j'en veux. Ok, et puis il est tellement puissant, il est tellement populaire. En 1999, IBM investit $1 milliard pour promouvoir les et puis pour améliorer Linux. Ok, actuellement là c'est un serveur Linux, c'est sous serveur Linux que toute majorité site web nous connaît, qui a tourné. Donc Amazon, Facebook, Google, Twitter, tout ça haut, avec plusieurs autres encore, il y a donné sur le serveur Linux. Parce que c'est un serveur qui est très sécuritaire. Ok? Et puis, nous venons connaître qu'il y a plusieurs distributions qui sont sur de Linux. Distribution, on l'a dit, plusieurs versions, une sorte de type de Linux. Il y a Ubuntu, qui est plus populaire, il y a SUSE, il y a Fedora, et plusieurs. Ok? Mais top distribution, il y a Ubuntu. Qui est 32%, puis bon avec Debian, ok, et puis il y a 7OS, il y a Red Hat là, les mêmes utilisés un peu le tout, mais même malgré où elle a 3,9% utilisé, et puis voilà, ça c'est encore image de distribution Linux, il y a une distribution en dans une distribution. Il y a Mandriva qui sortit de Linux, il y a Red Hat qui sortit de Linux, il y a Debian avec Scarware qui sortit de Linux, et puis là dans Debian encore, il y a l'autre distribution. Ça y en a d'autres qui est plus populaire, c'est Ubuntu. Ok? Mais c'est sous Debian, nous gagnons pour notre travail, et lui-même, dans la prochaine vidéo. Et les mêmes là, montrer qui j'ai installé sont en machine virtuelle qui c'est VMware. Et je pense que prochaine vidéo ça est très intéressant. Côté de l'installer, côté de configurer. Et puis bon, là ouais. J'espère que l'introduction à Linux a été intéressant pour nous. N'a bien pour nous un petit bagage intéressant. N'a bien pour nous. Administration réseau, n'a bien pour nous sécurité réseau que n'a pas en dernier qui est très intéressant. Tout bon, ok. M'a mettez email moi dans commentaire dans description vidéo pour nous quitter commentaire pour moi. Si quelqu'un commentaire quelques suggestions notables qui était moins. Si toutefois nous avons quelques questions, tout n'a bien pour nous poser. Mine. Ok. Alors, à bientôt. Merci d'être suivi. À une prochaine vidéo.